Être femme aujourd'hui. Relever le défi de la joie, de la foi, dans ce monde en déni. En justesse, aligné au mouvement de la vie pour danser chaque instant, incarnant patiemment le chemin du changement. De nos jupes, de nos bras, envelopper la folie. De douceur et d'amour par nos cœurs de velours, battants et réjouis. D'être à l'unisson de l'universelle expansion. Rayonnant ainsi paisiblement la voie de la guérison. Être homme aujourd'hui. Relever le défi de la loi, de la foi dans ce monde en déni. En soi. À l'action bienveillante, par nos choix, nos valeurs, en accord à nos cœurs. Assumer son pouvoir en offrant ses pleurs. Déployer sa véritable autorité dans sa capacité à aimer une femme, celle qui répond à l'appel de son âme, incarner chaque instant le gardien du vivant en soi, en elle, en notre environnement. La voie du changement.
être couple aujourd'hui. Relever le défi de l'unicité dans ce monde divisé. Partager nos regards, curieux et gourmands. Inviter le sacré à chacun des instants. À se dire, à s'écrire, se chanter, s'en chantant. Du vivant de sa beauté sans cesse en mouvement. En justesse. Accueillir, honorer. Sa propre responsabilité dans les choix et renoncements que chacun assumait. Récolter les fruits, sauvages ou cultivés, les amers, les juteux, les blettes comme les sucrés, pas à pas, cheminant fort de cette complicité. Traverser les épreuves de la vie, les tourments, portés, nourris de goûter chaque moment dans cette complémentarité. Et se déployer ainsi, agrandi, d'être.